Donc, il n'y avait que l'année de sortie qui comptait. Voilà. Dans son état d'origine, voilà. Qui roule très bien. Même les sièges n'ont pas été refaits. C'est le cuir d'origine. Non, il y a eu une petite rénovation de ce côté-ci. Mais autrement, elle est vraiment très très belle. Quoi. Ah oui. Starter d'origine. Côté mécanique, en tout cas, c'est tout d'origine. Voilà. Mesdames et messieurs, je vais vous demander d'applaudir très très fort ce véhicule. Et on va lui remettre le trophée, bien évidemment. Le fameux trophée de la Ford de Montluçon. Donc c'est le véhicule numéro 3. Voilà, je le dis pour les membres du jury, le véhicule numéro 3. Ah, peut-être qu'on va retrouver le véhicule numéro 2 maintenant. Alors, je ne sais pas, est-ce que la fameuse Renault va arriver maintenant? Donc, je vante les mérites depuis tout à l'heure. Alors, attention, messieurs-dames, parce que la voiture va passer par ici. Si c'est dans l'ordre chronologique, elle serait noire, alors, parce que j'ai pu comprendre que les Renault étaient toutes noires. C'est ça. François. Alors, la Renault type AG, que l'on attend depuis un petit moment, est sans aucun doute l'une des ancêtres de la marque la plus connue. Et pour cause, la voiture qui fut utilisée massivement comme taxi dans Paris avant d'être réquisitionnée en septembre 14 dans le fameux épisode des taxis de la Marne. Et ce véhicule a également... Bon, écoutez, je crois qu'on va abandonner la 2 tout de suite. Hein. Alors, un plan démoniaque pour vous détruire de morale, et là, moi ça fonctionne. Allez, finalement, on se retrouve avec le véhicule numéro 4. Donc on verra jamais la voiture des Brigades du Tigre. Voilà, ben ça c'est les Brigades du Tigre, ça. Voilà, Dieu Clémenceau. Voici la fameuse voiture numéro 2. Et ben voilà la voiture numéro 2. Et ben depuis le temps qu'on vous attendait. Alors, on va demander, vous pouvez descendre ou vous restez dedans? Il vaut mieux. On est en train de trouver le point mort. Voilà, parfait. Alors ce véhicule, comme vous pouvez le voir, est fait de métal et de bois, hein, c'est ça? Alors bien en face des membres du jury. Sur en métal et en bois. Comme nous en un peu, comment on incarne une voiture comme celle-ci? Alors moi je l'ai capable, elle appartient à la collection d'Alain Corbeau. D'accord. Et vous êtes vous personnellement un fanatique de ces véhicules de collection pour celui-ci? Un fanatique des Brigades du Tigre. Ah, voilà, c'est comme ça, c'est là. C'est exactement ça. Moi, c'est une Renault de 1910, une AG1. C'est 1900, qui fait 1300 cm3. Et c'est une voiture civile qui a servi au taxi de la Marne. C'est ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Elle est tout extraordinaire, vous avez pris la... Non, vous n'avez pas pris l'époque. Hein. Non, mais il a changé le commissaire là maintenant. C'est ça, c'est le commissaire Valentin. Voilà, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir très fort ce véhicule. Alors, le trophée, vous avez droit au trophée aussi, bien évidemment. Une petite précision peut-être, président. Oui. Qui chantait la chanson de Brigade du Tigre? Philippe Clay. Exactement. C'est ça. Et comment c'était la chanson? Je les mange au rond, ils sont de tous les cerveaux. Bravo. Attention à vous. Alors, quelle voiture va arriver maintenant? Est-ce la numéro 4? Normalement, cela devrait être la numéro 4. Un petit peu de suspense. C'est la 4. C'est la 4 qui arrive. Et la 4 n'est autre qu'un véhicule plutôt sympathique qui date de 1955. C'est la Jaguar X540 FHC coupée. La 2 plus 2. 2 plus 2, puisqu'il y a deux places à l'avant. Et on peut également avoir deux autres places à l'arrière. C'est magnifique, cette voiture. Ouais, superbe véhicule également qui nous est présenté ici. La grande marque Jaguar, avec quelques précisions à son sujet. Elle a été fabriquée d'octobre 54 à février 57 à Coventry. Et oui, sa puissance en nombre de chevaux, c'est 20 chevaux. Et sa vitesse max, tout de même, pour l'époque, atteignait déjà 207 km/h. Géraldine, je te laisse aller voir le chauffeur. Ben oui, je vais aller voir le chauffeur de ce véhicule. Il nous en dit un peu plus. Alors, on a un équipage fortement sympathique. Est-ce que le véhicule tiendra l'outil? Vous pouvez sortir du véhicule ou pas? Allez, venez nous voir.
on se présentait devant, voilà, devant les membres du jury. Parce que je crois qu'ils ont en plus la tenue extraordinaire. La tenue, ça s'applaudit, ça. Je vous rappelle que les tenues comptent hein, dans les notes. Exactement. Alors bonjour et bienvenue à tous les deux. Quels sont vos prénoms? Bruno. Annie. Bien, bienvenue à tous les deux. Alors, histoire un petit peu de cette voiture. Alors c'est une voiture, une des 76 qui a été importée en France sur la production totale, parce que beaucoup sont partis soit aux États-Unis, soit en Angleterre, puisqu'elles étaient fabriquées là-bas. Et ça, c'est une d'origine qui a été fabriquée pour la France, donc en gros, conduite à gauche, avec toute l'instrumentation de bord en anglais, c'est-à-dire pas en français, c'est-à-dire en kilomètres forts. Est-ce que semblait, je disais, le volant est à gauche, c'est assez étonnant pour une Jaguar de cette époque, puisque c'est une voiture anglaise à la base. Elle a été restaurée, je crois, en 2012, c'est ça? C'est ça, oui. C'est vous qui avez géré la restauration? Non, c'est le propriétaire précédent. Elle est magnifiquement restaurée, une des Jaguars les plus rares en France, effectivement, comme vous l'avez dit. Qu'est-ce que vous avez de particulier à dire au jury pour leur donner envie de voter pour cette voiture et pour votre équipage? Peut-être Annie, un petit mot? Non, elle est intimidée. Non, ben, pour convaincre les gens, il faut l'essayer, et puis quand ils l'auront essayé une fois, voilà. Est-ce que vous, vous roulez souvent avec ce véhicule, ou c'est juste pour les occasions comme celle d'aujourd'hui? Non, non, on roule régulièrement. La semaine dernière, on était à Moulins pour la ville d'Auvergne. Donc le rassemblement de la ville d'Auvergne qui a rassemblé 130 véhicules sur Moulins. Donc on est monté jusqu'à Moulins avec cette voiture, on a fait 300 km par la journée. Et j'imagine que vous faites sensation quand vous arrivez avec, au volant de votre véhicule. Ah, c'est une voiture qui est quand même relativement regardée parce qu'on n'en voit pas tous les jours. Et est-ce qu'avec un véhicule comme ça, est-ce que c'est plus facile quand vous êtes tout seul dans le volant pour draguer, pour emballer? Ah, pour draguer, oui. C'est... D'accord. Je sentais la question. Mais il ne faut pas le dire à ma femme. Hein. Bien sûr. Non, mais elle n'écoute pas. C'est pour ça. Merci beaucoup en tout cas et félicitations, on vous applaudit très fort et vous recevez bien sûr le trophée. Bravo aussi pour les costumes qui font partie de la présentation et du concours. Très très belle voiture, très bon véhicule. Et tu as vu la galanterie à l'anglaise. Ah oui, ça c'est important ça. Hein. Pas la galanterie, c'est tout français. C'est noté aussi dans la... Ah bah, hein, c'est ça. Nous remercions Sœur Bruno et Lady Annie. C'est ça, Sœur Bruno et Lady Annie. Attention, messieurs, dames, le véhicule va passer ici. Et on va laisser place maintenant pour accueillir une GT40 de 1967. Alors, la voiture devrait arriver sans tarder. C'est Jean-Charles Marchandier. Alors les voitures restent sur les côtés, bien sûr. Passer, donc on peut aller les admirer. Tout jusqu'à ce soir. Exactement. Voici la fameuse... Avec une déco Gulf que les amateurs connaissent forcément. Applaudissements, c'est une GT40 de 1967. Magnifique, hein. Alors, elle a participé aux 24 Heures du Mans, ce véhicule, a participé aux 24 Heures du Mans. Et ben il faut descendre, vous allez venir parler avec nous. Voilà. Alors, c'est pas évident à sortir, j'imagine. Et d'où l'ouverture par le dessus aussi, pour pouvoir s'extraire et facilement. Je sais pas si vous avez vu la classe quand même, mais le gilet assorti aux couleurs de la voiture. Et les chaussures. Comment ça va? Ça va. Alors, parlez-nous un petit peu de ce petit bolide. Bah, c'est une réplique, c'est pas... Oui, mais moi je ne l'avais pas dit justement, parce que j'ai dit il faut essayer de... D'accord, alors ça vaut des points, c'est bien. Donc ben, c'est les couleurs du Gulf, comme elle a gagné au 24 Heures du Mans. Vous avez ce véhicule depuis combien de temps? C'est le vôtre ou il fait partie de... Ouais, ça fait une quinzaine d'années. Est-ce que vous en avez d'autres ou c'est celui-ci? Il y en a trois qui avec celle-ci qui vont être présentées. D'accord, très bien. Et vous êtes plus, vous restez plus dans les collections de véhicules de sport, on va dire, ou il y a tous les styles? Tous les styles. J'aime tous les genres de voitures. Bon, et bien écoutez, parfait. Qu'est-ce que vous pourriez dire au membres du jury? C'est vrai qu'il y a eu un film avec cette voiture, Pascal. Ah, c'est vous... Oui, il y a eu un film. Oui. C'est quoi? Bah, les 24 Heures du Mans. Et bien voilà. Exactement. C'est ça. Hein, c'est Ford contre Ferrari, hein, c'est ça?
C'est Ford pour Ferrari. Ferrari gagnait tout le temps. Ford a dit je vais le faire. Mais Ford a pris un ingénieur de génie, Shelby. Et Shelby a dit moi je vais vous la changer votre bagnole. Quand il a vu d'ailleurs la première Mustang, il a dit c'est quoi cette merde. Il était invité au lancement de la Mustang. Ça a été mal apprécié des patrons de Ford. J'imagine. Après ça, bah, il a effectivement réussi à faire ça. Regardez le film Le Mans 66. Alors d'abord, si vous aimez une bagnole, c'est magnifique. Alors si vous aimez la musique, la bande son du Mans 66, c'est génial. Les Blues Brothers, Non, il y a Paul Salat Annie dedans. Paul Salat Annie, ah ouais. Qui est absolument génial. Voilà, j'arrête. Merci beaucoup. Vous allez recevoir le trophée. Toutes ces années, c'est très sympathique. Ah ouais, c'est génial. Le président, il est formidable. Ah ouais, c'est une bible. Ah ouais, ça, c'est une bible d'anecdotes automobiles. C'est super. Insatiable. J'ai ni les bagnoles, ni la musique. On dirait. On a bien compris ça, ouais. On merci va beaucoup. Juste laisser passer le véhicule pour qu'il puisse se stationner à côté des autres et nous allons recevoir le véhicule numéro 6. Le véhicule numéro 6 qui est un véhicule qu'on a tous adoré, qu'on adore tous encore, qui a également une histoire cinématographique exceptionnelle. Et c'est la fameuse Zayed et c'est la fameuse Cox. Voici la fameuse Cox qui nous est présentée. Elle date de 1967 et je crois qu'elle vous plaît beaucoup. Hein. On entend à l'applaudimètre déjà que la Cox a toujours autant de succès. C'est une 9 chevaux, 1800 en cylindre, 4 cylindres. Elle a été restaurée en 2020. On va s'approcher un petit peu de cet équipage fortement sympathique. Il y a des détails que moi j'adore, hein. Les petits boutons de porte là, en petit dé, sympa. D'où ça vient cette idée? Bonjour. Bonjour. Alors, je suis avec, si je dis pas de bêtises, Ludovic.